Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo make-up blabla. Ça faisait longtemps hein, qu'on ne s'était pas vu pour papoter ensemble, se maquiller ensemble. Et Laetitia, ma copine, la fameuse Laetitia dans les baskets de la maîtresse, m'a suggéré de faire une vidéo un petit peu 5 moments forts de mon année 2022. Et j'ai décidé de mélanger un petit peu les moments forts de l'école, parce que je pense qu'elle me parlait de l'école quand elle m'a dit ça, mais aussi de ma vie personnelle ou de mes rencontres de l'année 2022. Honnêtement, j'en ai trouvé 4 et je pense que le 5e viendra peut-être en papotant, je verrai. Mais j'ai une idée et je ne sais pas si je vais l'inclure ou pas, on verra, parce que cette année n'est pas non plus terminée, donc il peut se passer encore plein de choses. En tout cas, cette vidéo est en mode positive, en mode bonne vibe, en mode je partage des choses avec vous. J'ai vraiment envie de me dévoiler un petit peu dans cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous plaira. Si déjà l'idée vous plaît, n'hésitez pas à liker dès maintenant et à vous abonner sur le petit bouton abonner. N'hésitez pas, c'est gratuit, ça ne change rien à votre vie à part que vous verrez un petit peu plus mes vidéos dans votre fil d'actualité. J'avais envie du coup de me maquiller avec la collection Florasis. C'est une marque qui me faisait tellement envie. Je ne vous dis pas. Alors je ne sais pas par quoi commencer parce que j'ai des packaging juste trop beaux tout autour de moi. Je vais évidemment vous les présenter au fur et à mesure de la vidéo et je vais les utiliser sur moi directement, comme ça vous aurez tout de suite le rendu, le truc, et je vous en dirai un tout petit mini bilan à la fin, même si je trouve qu'en une utilisation on peut pas tout de suite se faire une grande idée, mais au moins vous pourrez avoir mes premières impressions. La marque Florasis, mais qu'est-ce que c'est que cette marque? Alors si vous sortez de votre grotte et que vous n'en avez pas entendu parler, ou si vous n'avez pas vu mon réel sur Instagram, je vous remets mon Insta ici et n'hésitez pas à aller voir. Je vous ai fait un micro réel parce que honnêtement, quand j'ai reçu cette marque, j'en avais déjà entendu parler sur les packagings. Quand j'ai reçu le colis, c'était super bien protégé. Même le colis était hyper bien emballé. Il n'y avait vraiment pas de risque de casse. Et la marque vient de Chine, donc ça voyage un petit peu loin quand même. Mais c'est en mode la marque chinoise haut de gamme. C'est vraiment à la limite comme Dior, etc. Vraiment, c'est des très beaux packaging. Donc déjà, il y a un très bel effet, un très bel effort au niveau du packaging extérieur, comme ça, le packaging secondaire. C'est trop beau. Regardez-moi tous ces détails, c'est hyper bien protégé. Enfin, il n'y a rien à dire au niveau des packaging. Tous sont canons. Mais alors, quand vous ouvrez l'intérieur, là, c'est la palette pour les yeux. Elle est juste divine, hein. Donc très quali. Je pensais pas aussi quali d'ailleurs, j'en avais entendu parler dans les vidéos, mais je savais pas trop à quoi m'attendre, mais c'est vraiment très quali. Hein. C'est pas trop lourd, mais c'est très du bon plastique. Hein. Et alors regardez-moi l'intérieur. Oh là 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 là, mais c'est pas une merveille? Quand vous voyez ça, vous n'avez absolument pas envie d'y toucher, hein, on est d'accord? On est d'accord, ça va être très dur de mettre mes pinceaux dedans, mais je vais tester parce que je me dois de tester tout ça. J'ai fait des petites photos sur Instagram et tout ça, mais voilà, je voulais absolument tester ça avec vous en vidéo. D'ailleurs, je crois que j'ai un code promo pour vous, donc je vous mets tout ça ici dans la vidéo si vous avez envie de craquouiller, parce que je sais que sur Instagram, il y en a quelques-unes qui m'ont dit « Oh, mais ça donne trop envie pour les cadeaux de Noël, tout ça !» Oui, alors je sais que ça donne trop envie, je vais me dépêcher de faire cette vidéo pour que vous puissiez commander à temps pour Noël. Et je vous mets évidemment mon code promo ici, je vous mets tout dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Mais rien que déjà pour l'objet, c'est juste une pépite. J'ai donc reçu tout un coffret, mais je n'ai pas eu le coffret en version boîte. Sur le site, vous pouvez trouver ce style de coffret. Il y a des offres en plus en ce moment. Je vous mets la photo du coffret et à l'intérieur, vous avez différents produits. Et moi, j'ai eu en plus de ça d'autres produits que ceux qui sont dans le coffret. Déjà, dans le coffret, vous avez cette fameuse palette que je viens de vous montrer. Vous avez un superbe rouge à lèvres. Regardez-moi les rouges à lèvres. Packaging hyper gros, hein, on va le dire. Alors, c'est pas un rouge à lèvres hyper discret dans votre sac à main. Je vous préviens tout de suite. Il y a la petite chaînette qui est au fond, là. Vous pouvez accrocher donc ici votre rouge à lèvres, histoire de le mettre dans votre sac et de le retrouver facilement. Vous avez ici un petit bouton. On appuie, le rouge à lèvres sort. Non, mais regardez cet objet. Et alors, c'est assez léger, mais quali. Et alors, la merveille. Ça, j'ai tellement hâte de le tester aussi en fin de vidéo. Il est juste magnifique. C'est la teinte M1311. De toute façon, je vous mettrai toutes les références dans la barre d'infos. Mais pareil, le raisin, on n'a même pas envie de le tester, quoi. Mais si, on va le faire, on va le faire.
Dans le petit coffret, il y a des petites lingettes démaquillantes pour le visage. Là, il y a celle-ci aussi, je pense que c'est une lingette réutilisable. Il faut que je regarde exactement, j'ai pas ouvert, mais en tout cas, il y a des petits produits pour préparer sa peau. On a aussi dans le petit coffret une poudre pour le visage, comme ça, et c'est tellement beau. Alors, il faut d'abord tourner, hein, et après soulever. Donc, ça sert à rien de vous exciter sur le bouton, ça ne sert complètement à rien. Vous avez la petite toupette, comme ça, pour mettre sur votre visage, et c'est hyper bien protégé. Donc ça souffle comme ça et en plus, c'est ce que j'allais dire. Et en plus il y a une protection dessus et un tamis pour éviter, mais c'est génial. Donc pour éviter que ça déborde, ça coule, ça va, voilà, c'est... Bon ça coule, ça va pas couler puisque c'est une poudre. Mais pour éviter tout souci, voilà, c'est hyper bien protégé et le packaging est super calé. On a aussi dans le coffret un miroir de poche, donc ça c'est trop cool. Ouais c'est plutôt mignon, donc un petit miroir comme ça de poche qui est assez épais quand même, histoire de glisser dans votre sac à main. Je pense qu'il doit faire double miroir en plus. Donc c'est pas mal, j'ai un petit cadeau dedans, ça fait toujours plaisir. Et si je ne me trompe pas, dans le coffret vous avez cette palette pour le teint. Donc vous avez vraiment de quoi vous pimper tout le visage quasiment. Il n'y a juste pas de fond de teint et tout, mais c'est plutôt pas mal. Et cette palette pour le teint aussi est une merveille, vraiment. Donc à chaque fois il y a un miroir hein, que je vous cache, mais regardez celle-ci. Il n'y a pas de mots tellement elle est belle. Et alors comme je vous ai dit, c'est une marque vraiment qui joue sur les packaging, qui est dans cet univers un peu bleuté, un peu turquoise, un peu... Voilà, ça, moi c'est un univers qui me parle. Je suis une grande collectionneuse de make-up, hein, vous le savez, vous avez déjà vu un peu mes rangements. Mais j'ai pas d'objet aussi beau, je pense, dans ma collection. Même Dior, etc., je trouve qu'ils ne font pas autant de finesse au niveau des packaging et de la poudre, on va dire ça, du travail de poudre. Après maintenant on va voir tout ce qui est swatch, etc. Hein. On va se lancer tout de suite. J'ai quand même commandé 3 autres produits en plus. Je vous les montrerai après, comme ça vous aurez une autre idée. Mais en tout cas ça, c'était ce qu'il y avait dans le coffret. J'allais oublier. Dans le coffret, il y a aussi ça, un kit de pinceau. Et dans la petite boîte, très quali, toujours même univers. Une boîte qui s'ouvre comme ça, tout est hyper bien protégé. Et je vais les déballer pour pouvoir m'en servir aussi pendant mon make-up du jour. C'est donc un kit de 5 pinceaux, 3 pour les yeux et 2 pour le teint. Donc ça va pas du tout être assez pour moi. Mais on va dire que pour poudrer, ça peut être pas mal. Il n'y a aucune odeur particulière. Les poils sont très très doux. Donc écoutez, dans un kit comme ça, ça me fait très plaisir. Avec la petite boîte derrière, c'est parfait. Hein. Vous pouvez comme ça les laisser dans votre salle de bain. C'est très 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 bien. Donc ça, c'est ce qu'il y a dans votre petit kit. Donc moi, sur mon teint, j'ai déjà mis mon fond de teint. Enfin, c'est un sérum de teint de chez Typologie en teinte 2 clair. Donc c'est celui que j'ai sur ma peau. Et j'ai mis en anti-cerne la marque Typologie. Hein. J'aime énormément ces produits-là. Vraiment, c'est des gros gros coups de cœur. Et l'anti-cerne, c'est pareil, c'est la teinte 2 clair qui est un tout petit peu orange, mais qui cache du coup mes petites cernes. Mais je n'ai pas poudré et donc on va commencer par ça. Pour poudrer, je ne vais pas utiliser la petite toupette, j'ai pas spécialement envie, mais je vais utiliser du coup le pinceau. Je pense que je vais prendre le plus large et c'est une poudre blanche hyper fine, hein. Alors, premier événement marquant de cette année 2022. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire vous aussi dans les commentaires, hein, tout de suite au fur et à mesure de la vidéo, vos événements marquants, ce qui s'est passé d'important cette année pour vous. Donc, en trouver 5, ma petite Laetitia, c'était pas si facile que ça, je vous avoue. Mais je vais essayer, hein. Et le premier, c'était ma première classe de neige. C'était vraiment une sacrée aventure. J'étais tellement heureuse de faire cette classe de neige avec ma copine Sarah parce que bah du coup ça nous a vraiment rapprochés, on a vécu des trucs super pendant une semaine et alors j'ai passé des tellement bons moments avec ma classe, même si c'était une classe en fin d'année qui m'a beaucoup fatiguée. Honnêtement c'était la meilleure partie de l'année avec eux. Cette classe de neige était extraordinaire, même s'il y a eu des hauts débats, elle était juste folle et je suis très très reconnaissante d'avoir pu partir en classe de neige et j'ai très, très 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 hâte de repartir cette année en classe de neige avec ma nouvelle classe. Donc je vous en reparlerai dans les aventures YouTube, mais en tout cas c'était vraiment l'événement le plus marquant je pense dans ma classe cette année, ma première classe de neige dans les Vosges. Je n'ai absolument pas skié mais j'ai passé des tellement bons moments. Écoutez, cette poudre est plutôt canon. Elle, alors je vais pas vous dire qu'elle lisse le visage, etc. parce que non, je ne trouve pas. Mais elle rend le visage tout doux. Ouais, tout doux. Alors,
Moi, j'ai des petites sécheresses à ce niveau-là et ça marque un tout petit peu les sécheresses, mais pas beaucoup. Elle est pas mal. Après ça, je vous la retesterai parce Sur que un seul test, pour moi, c'est pas assez, assez visible. Je n'arrive pas encore à me rendre compte. En plus, j'aime bien voir au fur et à mesure de la journée. Mais en première impression, elle est très fine. Elles font bien. Elles matifient d'ailleurs hein, le teint. Hein. Elles matifient le teint. Et elle a l'air de lisser un tout petit peu les pores, mais pas non plus d'une façon dingue. Elle va pas lisser les ridules, par exemple, ici. Mes ridules sont bien là. Mais au niveau des pores du nez, c'est plutôt pas mal. Donc ça, je vais continuer à la tester avec grand plaisir. Je vais passer du coup au teint. Je vais prendre la palette teint et je vais déjà commencer par utiliser l'espèce de bronzer là, comme ça. Qu'est-ce que ça va donner? Alors, est-ce que j'utilise celui-là? Non. Ce qui est un peu le hic, c'est que il faut faire gaffe en fait quand on utilise ses pinceaux de pas prendre de tout le truc, hein, parce que c'est vrai que les packagings sont un peu petits, surtout pour du bronzer. Mais on va tester, on va tester, on va y arriver. Donc là, j'ai pris un petit pinceau Nabla. Je crois qu'il me faut un pinceau plus compact. Sais pas si vous voyez quelque chose, hein. Alors ce que j'aime bien, c'est que c'est un froid, une teinte super froide, et ça j'aime plutôt bien. C'est pas une pigmentation de dingue, hein, parce qu'il faut y aller, il faut y aller au niveau du bronzer. Je pense que moi j'ai tellement l'habitude d'avoir quelque chose d'un peu plus marqué. Je sais pas si vous verrez la différence, mais oui, on voit, mais c'est assez poudreux, hein, je vous préviens tout de suite. Ce qui est bien, c'est quand on utilise, on n'abîme pas trop les dessins, ça va, pour l'instant ça va. Ouais, si, ça a l'air d'être présent, mais voilà, ça se construit tout en douceur, hein. Je vais faire 3-4 couches et je reviens. A few moments later. Bon, voilà le résultat, ça reste léger, mais ça se voit. Ce que j'apprécie particulièrement dans la marque et dans les produits, même les poudres, c'est qu'il n'y a pas d'odeur particulière. Et ça, moi, je vous avoue que ça me plaît énormément. Parce que quand il y a des odeurs trop fortes, ça me dérange. Donc là, vraiment au niveau de la compo, je pense qu'il y a un effort fait. D'ailleurs, ici, il y a une poudre. Je pense que j'aurais pu poudrer aussi mon contour de l'œil. J'ai pas pensé à le faire avec, mais je le testerai la prochaine fois. Et au niveau du blush, je vais tester celui-ci, mais j'en ai un deuxième que j'ai commandé moi-même, hein, que j'ai décidé de choisir en plus. Et je vous le montre quand même. Le deuxième est tout petit. Alors, j'étais étonnée du format du packaging, mais il est trop mignon. Hop. Il se présente comme ceci. Donc celui-ci a l'air un petit peu plus pétant. On va voir ce que donne celui que je vais prendre. Celui-là, il a l'air un petit peu plus lumineux. Mais bon, écoutez, je vais peut-être prendre celui-ci, puis après je mettrai un petit peu l'autre. Donc là, cette fois-ci, je prends le pinceau de la marque. C'est vrai que les pinceaux de la marque rentrent pile poil dans le format, hein. Pour ça, ils ont prévu le coup, c'est bien. Et ouais, c'est pas mal ça. C'est pas assez rosé pour moi, mais c'est un joli bonne mine. Vous voyez, ça donne vraiment cet effet un petit peu de bonne mine, mais c'est pas assez rosé pour moi. Donc je vais peut-être rajouter une petite touche de l'autre, histoire de donner un peu de peps à mon teint. Allez, je vais mettre juste une petite touche de celui-là. Voir ce que ça donne. Ouais, ça relève un peu le truc. Bon, en tout cas, en deuxième événement marquant, et là, Laetitia, je vais devoir te citer parce que pour moi, le deuxième événement marquant de 2022, c'était la fameuse grande journée sur la trisomie 21. On a travaillé la différence avec les élèves et Laetitia a réalisé un grand, grand, grand escape game dans toute l'école maternelle et élémentaire. Et honnêtement, je pense que ça a été hyper marquant pour tous les élèves de l'école. Ça a permis vraiment de donner l'accent sur la trisomie 21, accepter les différences, s'accepter les uns les autres, dire un gros, avoir un gros coup de cœur pour notre Hugo qui était dans notre école donc, et qui est parti maintenant, en fin d'année il est parti. Voilà, ça a permis vraiment de marquer les choses et ça c'était quand même un très 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 beau moment qu'on a tous partagé ensemble. Et pareil avec ma classe, c'était extraordinaire, on a adoré. Laetitia avait organisé une sorte de grand escape game avec plein d'activités et les élèves tournaient par atelier. Enfin, c'était juste génial. Elle s'est creusée la tête comme jamais, elle a travaillé comme jamais. C'était juste fou et ça en valait vraiment la peine. Je reprends la première palette là et je vais prendre l'highlighter qui est là. Même si j'ai commandé un autre highlighter aussi. Alors, on va voir la différence entre les deux. Est-ce que je vais pas faire un côté l'un, un côté l'autre? Comme ça, vous aurez les deux. Hop, regardez.
Ah ouais, il y en a un qui est vraiment plus froid et l'autre là-bas, il est plus rosé. On va tester déjà de ce côté-là. Hop, celui-ci. Ouh, la pigmentation a l'air là. Elle a l'air au rendez-vous. Ça a l'air hyper fin. C'est un tout petit peu poudreux, mais honnêtement, il n'y a pas beaucoup de poudre partout. Hein. Après, c'est normal que ça laisse quelques petites poudres, hein, je trouve. Hop, je regarde quand même ce que ça donne. Ouh, il est vraiment... Comment vous dire, il est vraiment tout en légèreté. C'est quelque chose vraiment de très naturel. Hein. Si vous voulez un truc qui fait bim, c'est pas celui-là qu'il faut choisir. Mais il est là. Hein. Il fait son job, il est présent. Je trouve quand même qu'il marque un tout petit peu mes imperfections, les petits défauts de la peau, on va dire ça comme ça. Et il a des tout petits reflets rosés qui sont magnifiques. Du coup, j'ai testé le deuxième hein, pendant que j'y suis. Ouh! Alors celui-là, il a l'air encore plus intense. Ah oui, celui-là, c'est vraiment un petit peu plus ce que je recherche. Moi, dans mon quotidien, c'est vrai que je préfère ce style-là. Oh là là. Je crois, là, c'est vraiment naturel. Là, c'est vraiment bim. Vous voyez tout de suite la différence. Et hop, bah, je vais remettre un petit coup là, un petit coup là. Oh, puis. Non, je vous avoue que celui-là, c'est vraiment plus un coup de cœur pour moi. Il est magnifique. Encore une fois, le design, en plus, est trop, trop beau. Et alors là, j'ai pas enlevé la protection. Mais oh, magnifique. Alors, j'ai fait mes sourcils avec mon petit crayon à sourcils où j'ai perdu le bouchon. J'ai pas de crayon à sourcils de la marque Florasis, donc je fais avec ce que j'ai. Et je vais passer à mes yeux avec la fameuse palette qui est juste divine. J'ai bien envie d'utiliser cette espèce de bleu qui est trop trop beau. Enfin, vraiment, je vous souhaite... Mon Dieu, je viens de mettre mon doigt dedans. J'ai l'impression que... Pourtant, j'ai à peine touché, quoi. Oh, je suis choquée. Ah ouais, c'est intense, hein. Le rouge peut servir, je pense, de blush aussi, parce qu'il est quand même intense. Après, vous faites ce que vous voulez. Regardez déjà, un petit panel de swatch. Alors, le rouge, je pensais qu'il était mat, mais au swatch, il a l'air un petit peu lumineux quand même. Ouais, il a l'air lumineux. C'est super bien pigmenté. Hein. Et ouais, je suis étonnée. Là, déjà, rien que 4 swatchs, je suis méga étonnée. Je vais vous parler du coup du troisième événement marquant tout en utilisant la palette. Je vais comme d'habitude utiliser la couleur la plus claire, celle-ci, pour faire mon creux externe, pour voilà un petit peu pouvoir faire fondre les couleurs facilement à la fin. Hop, j'en mets un petit peu partout. Je vais prendre un pinceau un petit peu biseauté et la couleur la plus foncée ici, histoire de travailler mon ras de cils. Donc le troisième événement marquant de cette année 2022, ça reste quand même les rencontres. Alors c'est pas cette année que je les ai rencontrées, hein, mais mes fameuses copines Laetitia, Sarah, Sandy, avec qui on a été très très proches cette année. On s'est fait des petits week-ends entre filles et tout ça, et voilà, ça nous a fait... vraiment du bien. Et alors l'événement marquant avec elle et avec Laetitia, c'est que cette année on a organisé avec Laetitia notre première rencontre Team PE du Nord. Donc pour celles qui ne connaissent pas ce que ça veut dire, on a proposé une rencontre dans le Nord, donc près de chez nous, près de nos écoles, avec tous les professeurs des écoles du coin qui avaient envie de se rencontrer, voilà, partager un moment. On a fait ça juste avant la rentrée. Et je vous avais fait un vlog à ce sujet d'ailleurs, hein, pour vous partager tous ces moments. On avait organisé plein de concours, on avait contacté plein de marques. Enfin voilà, c'était un boulot monstre. Et on a adoré ce moment-là avec Laetitia, ce partage. C'était comme une grande bouffée d'air frais entre nous. Ça nous a boosté pour la rentrée parce que c'était vraiment quelques jours avant la rentrée. Et avec Laetitia, on a décidé de se relancer cette année et on a plein de surprises cette année. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram parce qu'on a plein de surprises, de grandes nouvelles à vous annoncer sur les réseaux. Et on est encore là-dedans. Et d'ailleurs, on espère que personne va nous piquer l'idée parce qu'il y en a qu'on tentait quand même sur les réseaux sociaux de nous piquer cette idée de rencontre professeur des écoles alors que c'était quand même nous à la base qui avons eu l'idée. Hein. Alors évidemment, il y a d'autres maîtresses qui avaient suggéré de le faire, qui nous avaient dit de nous lancer et tout ça. Et on les remercie et on espère aussi rencontrer encore plein d'autres maîtresses comme ça
et bah, partager des bonnes vibes entre collègues, entre enseignants, donc c'est pas mal. Donc ça, c'était le troisième événement marquant qui a quand même été cet été un bel événement qui nous a rapprochés. Encore une fois, avec Laetitia, on vit plein d'aventures super et je pense que ça continue à nous rapprocher. Sandy et Sarah bah, continuent à être dans l'aventure, même si elles sont pas professeurs des écoles, bah, elles sont là, elles sont présentes, elles nous aident, elles sont juste au top. Ce petit marron, il est pigmenté, mais c'est pas un truc de fou, hein. Il est bien pigmenté. Enfin, il est présent, mais il se travaille, faut faire attention au niveau du travail. Je vais prendre une petite couleur intermédiaire pour un petit peu estomper. Donc, je vais prendre celle-ci là, qui est un petit peu plus foncée que celle du départ que j'avais utilisée. Et je vais voilà, faire aussi mon creux, comme ça, pour estomper le tout. Et je vais prendre aussi, je vais reprendre le marron foncé pour estomper aussi un peu plus près de l'extérieur, là, comme ça. Oh oui, c'est pas mal ça. Bon, je vous avoue que je fais un make-up du quotidien hein, que j'aurais pu faire toute seule dans ma salle de bain. Hein. C'est vraiment le genre de make-up quand je découvre une palette, j'adore utiliser les nudes comme ça, les couleurs un peu plus basiques et mettre une touche un peu lumineuse au centre. Donc on va tenter de faire ça aujourd'hui, de rester dans ce que je sais faire, on va dire, dans ce que j'aime faire aussi. En tout cas, je vois qu'il n'y a aucune chute sur mon teint. Donc ça, c'est bon signe. C'est que les fards ne sont pas poudreux du tout. J'ai bien envie d'utiliser ces deux-là au niveau du reste de mon œil. Je pense que je vais utiliser la verte au milieu et l'espèce de bronze là sur le coin interne. Voyons voir si ça marche au pinceau, si ça tient bien. Est-ce que ça va être intense au pinceau ou plutôt au doigt? Alors j'ai pas mis du tout de base aussi, c'est pareil, hein, donc ça n'accroche pas plus que ça. Je vais tenter avec le doigt parce que là au pinceau c'est un peu moins... C'est pas... Ah oui, au doigt c'est beaucoup mieux. C'est perturbant de toucher le fard et d'avoir des bosses. Vu qu'il y a des motifs et des formes différentes, ça fait bizarre hein, au niveau du toucher, mais bon. Alors là j'ai quelques petites chutes parce que j'utilise mon doigt et du coup bah, il y a des petites chutes de paillettes qui tombent, mais rien de dramatique, je vais pouvoir les enlever je pense facilement. Et je vais reprendre mon pinceau pour estomper à ce niveau-là. Je prends un pinceau tout fin comme ça et avec l'espèce de bronze là dont je vous parlais tout à l'heure, je vais faire le creux là. On estompe, hein, comme d'habitude, on estompe, hein. Ça c'est vraiment primordial dans un make-up. Bah, je suis assez contente du résultat, je vais mettre un petit crayon bleuté en muqueuse et bah, ça me paraît pas mal. Je vais enlever les chutes avec un pinceau éventail, d'habitude j'ai un pinceau éventail mais là j'en ai pas, je les ai lavés, donc j'ai enlevé avec un gros pinceau comme ça, hop. Voilà, tout est parti, c'est nickel. J'ai mis en muqueuse deux petits crayons, j'ai fait un mix entre un crayon comme ça de chez Primark mais qui est un peu trop bleu et un crayon qui est un peu plus vert, j'ai pas trouvé là de turquoise qui ressemble vraiment à la couleur du fard à paupières, donc là c'est un crayon de chez le Emerald de chez Danessa Myricks et le bleu de chez Primark comme ça. Et au niveau du dessus, j'ai utilisé, voilà, ici j'ai fait une sorte de petit liner avec le crayon Kohl, comme ça, qui est le Eyeliner Killer Expresso de chez Too Faced, que j'aime énormément, voilà, pour faire une sorte de petit liner comme ça. Et après, j'ai utilisé deux mascaras que j'aime pas spécialement beaucoup, mais bon, voilà, j'essaye de tester un peu plus mes mascaras pour pouvoir les trier et les mettre ailleurs après. Parce que bah si je les utilise jamais, je saurai jamais mon avis. En tout cas, je suis ravie du petit rendu, du petit make-up. Maintenant, il reste plus que les lèvres. Du coup, au niveau des événements marquants, voilà, il y avait le numéro 3, c'était vraiment tous ces beaux moments que j'ai passés avec les copines. Et le numéro 4, c'était cette fameuse rencontre Team PE du Nord, hein, qui a été vraiment un sacré événement dans ma petite vie de 2022. Et bah, le dernier événement, c'est ça, c'est que... Après, j'ai pas eu de grands trucs extraordinaires, à part que je suis tellement heureuse d'être avec mes trois enfants, mon mari, que tout se passe bien à ce niveau-là, que voilà. Donc je vais pas, j'en suis reconnaissante, mais j'ai pas eu d'événement particulier. Cette année, j'ai la chance d'avoir une super classe, j'ai la chance d'avoir ma classe aussi à moi, d'avoir encore ce thème Harry Potter pour cette année. J'ai plein de bonnes vibes, même s'il m'arrive quelques petites galères par-ci, par-ci.
par-ci par-là, j'ai quand même plein de bonnes vibes. Et la dernière vibe, est-ce que nous allons l'avoir avant 2023? Est-ce que nous allons passer les 50 000 abonnés? Parce qu'on est vraiment pas loin, on est à 49 300 abonnés, on est pas loin, hein. Mais est-ce que vous allez me permettre peut-être en 2022 de passer ce cap? Ben, j'aimerais bien, donc n'hésitez pas à partager, parce que c'est comme ça qu'on gagne des abonnés. Même si moi je fais pas la course aux abonnés, ça me fait toujours plaisir de voir que ça augmente petit à petit, que vous êtes là de plus en plus nombreux et nombreuses, et que vous appréciez mes contenus. Ça me fait énormément plaisir, hein, je vais pas vous le mentir. Donc je suis contente de voir qu'on approche aux 50 000, et voilà, un nombre rond, ça ferait vachement plaisir avant 2023. Allez, on essaye, non? Allez, on like, on essaye de carburer tout ça. En tout cas, je vais passer aux lèvres, je vais tester ce petit rouge à lèvres là, mais j'ai reçu un autre rouge à lèvres qui est une version liquide, qui se présente comme ça. Pareil, les packagings sont super beaux, et il est méga bien pigmenté, hein. C'est une teinte, c'est la 501, c'est une sorte de gloss et en même temps de laque à lèvres, je sais pas, regardez-moi cette teinte. Et bah écoutez, je vais plutôt partir sur du nude, mais si je fais une photo sur Instagram, je vous la glisserai, ou si j'ai eu le temps de faire une photo entre temps, je vous le mettrai. La Karine du futur fait une petite pause dans cette vidéo pour vous montrer un make-up avec la même palette, mais un make-up un petit peu plus nude, plus basique, plus quotidien, que j'aime énormément aussi. Ça, c'est très bien pour le quotidien. Ça se travaille encore une fois très bien. J'ai utilisé aussi pour le teint les produits, et d'ailleurs le bronzer là marche beaucoup mieux parce que j'ai utilisé un autre pinceau un petit peu plus dense. Et sur les lèvres, je teste du coup le petit rouge à lèvres que je vous ai pas montré puisque je l'ai pas testé dans la vidéo. Et alors là, vous êtes en totale lumière naturelle, hein, donc j'ai l'air peut-être un peu blanche, mais c'est vraiment un rouge à lèvres tint, et alors forcément beaucoup moins foncé que ici, hein, que ce qui ça donne là, mais ça teinte les lèvres légèrement, ça fait quelques petits effets de matière, donc moi j'ai estompé après avec mon doigt, mais c'est hyper agréable sur la bouche. Et sachez qu'il y a quand même une petite odeur que moi j'ai pas spécialement appréciée, mais après elle s'en va, donc ça va, hein, c'est pas grave, mais le rendu est quand même canon, pour avoir un effet naturel. Est-ce qu'il y a du transfert? On va voir ça tout de suite. Ouais, hein, c'est un peu, vous voyez, c'est un peu cet effet gloss, laqué, mais agréable. Vraiment très agréable sur les lèvres. Ah ouais, et ça a déjà teinté ma main. Hein. J'ai juste de l'enlever à peine 2 secondes après, ça a déjà teinté ma main, donc je pense que c'est quelque chose qui tient bien. Je vais utiliser le petit pinceau pour les lèvres qu'il y a à l'intérieur du kit pour les de pinceaux là, et je vais le mettre comme ça sur mes lèvres pour éviter de toucher le raisin directement. Bon non, en fait je vais faire comme ça directement, et après avec le pinceau je retoucherai les bords. Ah oui, parce que j'avais envie de sentir comme ça la texture sur mes lèvres. Comme je sors du Covid, hein, vous le savez sûrement, j'ai quand même les lèvres et la peau assez abîmées par la sécheresse. J'ai mon nez un petit peu sec et tout ça, même si ça va beaucoup mieux. Et alors, je la voyais pas si bim, la couleur, mais c'est canon. Je trouve que c'est très beau. Et voilà, ça marque un petit peu les ridules, les petites peaux que vous avez si vous en avez. Mais la texture est tellement dingue. Il est, il s'est mis en 2 secondes, il se travaille super bien. D'ailleurs, le pinceau, c'est quand même pratique, hein. Pour redessiner les lèvres, c'est très sympa, le pinceau. Bah écoutez, je valide cette couleur, j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous allez en penser, mais ça fait un petit truc un peu plus frais. Je vais tester l'autre plus tard, mais déjà là, comme ça, j'aime beaucoup celui-ci. Ça change un petit peu des rouges à lèvres que j'ai habituellement, donc je suis très contente. Vraiment, ce crash test est encore une fois positif. J'ai été un tout petit peu déçu par l'espèce de bleu vert turquoise, parce que il est quand même super intense dans le pan, mais il est pas autant sur les yeux, même aux doigts. Donc je le retenterai avec une base. Mais alors celui-ci, l'espèce de cuivré, il est canon, parce que même au pinceau, il est superbe. J'ai pas testé les petits highlights ici là qui ont l'air divins. Donc je vais continuer évidemment à la tester. Je vous en reparlerai dans d'autres prochaines vidéos ou peut-être dans mes Titchy Vlogs. Mais j'adore. C'est vraiment hyper fin comme texture et comme texture poudre, comme pigmentation. C'est très fin, c'est pas pigmenté de dingue, mais c'est pigmenté quand même. On peut travailler ça dans le quotidien, et ça j'apprécie. Et je suis fan des packaging, vous l'avez compris.
Bon, sur ce, j'espère qu'on passera la barre des 50 000 bientôt. En tout cas, je vous remercie vraiment d'être là, d'être au rendez-vous, de me booster au quotidien, de m'envoyer vos vibes positives dans les commentaires, sur Instagram, partout. Voilà, ça me fait énormément plaisir. J'espère que vous avez fait aujourd'hui des petites découvertes sur mon année 2022 et sur ces petits produits de la marque Florasis. Comme d'hab, je vous mets tout dans la barre d'infos et on se retrouve dans les commentaires pour papoter. Allez, je vous fais des gros bisous. Salut !